elle va être préparée pour faire un raid au Maroc qui s'appelle le Twin Raid. Voilà. Donc ce que je voulais faire, c'était faire une petite vidéo de la préparation. Donc ça, c'est le teaser pour la vidéo. Je voulais d'abord vous la présenter d'origine. Voilà. C'est un modèle 1999. Donc c'est la phase 1. Alors elle est quand même assez propre. C'est une Twingo 2 places. On a choisi de prendre une 2 places car on n'a pas besoin d'emmener des passagers. L'idée c'est de mettre un coffre de toit dessus. Voilà. Donc il y a des petites choses à faire bien sûr. Je vais vous montrer notamment le coffre. Il y a des choses à nettoyer un petit peu. Il y avait une piscine à l'intérieur, donc il va falloir nettoyer un petit peu tout ça. Autrement, le reste de la voiture est plutôt propre. Il y a des petits trucs à régler, genre les portières, poignées de porte qui tiennent plus beaucoup. Voilà, ça tient plus beaucoup. Il y a l'ouverture de coffre aussi qu'il faudra changer, qui n'est pas vraiment possible. Voilà, autrement c'est une Twingo. C'est un modèle plutôt sympa. Elle a seulement 77 000 km. Et donc je pense qu'elle est plutôt idéale pour faire ce qu'on va faire. Un petit raid de une dizaine de jours au Maroc. Voilà. Donc voilà, l'ensemble, ça donne ça. L'idée vraiment, là, pendant les prochaines vidéos, c'est de vous présenter notre préparation, ce qu'on va mettre dessus. La fixation du coffre de toit. On va aussi mettre, bien sûr, des tôles sous le moteur. Acheter quelques accessoires comme des roues de secours supplémentaires pour pouvoir partir en toute sécurité sur le Maroc. Voilà, elle a une petite particularité. Elle est équipée GPL. Voilà, donc ça n'est pas dérangeant du tout. Mais ça en fait une particularité par rapport aux autres Twingo. Bon, on voit d'ailleurs ici le bouchon de remplissage GPL. On voit également qu'il y a un petit peu de travail qui a déjà été fait dessus. Des choses toutes simples mais qui sont quand même sympas pour un modèle d'occasion qui a 24 ans. C'est la batterie neuve. Changement pompe à eau et courroie de distribution. On voit que ça a l'air assez sain, le moteur a l'air plutôt en bon état, ce qui est un petit peu normal pour seulement 77 000 km. Alors, autre petit détail, quand je l'ai acheté, j'étais tout content parce que j'avais des Michelin à l'avant. Mais là, juste avant de faire la vidéo, je me suis aperçu qu'en fait, j'avais à l'avant gauche un pneu Michelin qui datait quand même de la 39e semaine de 2003. Voilà, 3903. Et à l'avant droit, j'ai un Michelin qui date de 2007. Voilà, donc 50e semaine de 2007. Voilà, donc voilà, je pense que ceux-là, ils vont passer en route secours. Parce que j'ai pas trop envie de faire 8000 km avec des pneus durs comme du bois. Donc ils vont passer, je pense, en route secours, même s'ils sont nickel. La gomme, elle doit être un petit peu abîmée, je pense, un petit peu sèche. Donc ça ne doit pas tenir la route super, super bien. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci d'avoir suivi ce petit teaser. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir nos prochaines vidéos. Donc sur la préparation complète de cette petite Twingo en partance pour le Maroc en février 2024. Voilà, merci beaucoup, n'hésitez pas à vous abonner, liker
et aimez nos vidéos, ça nous aide et ça nous motive. Merci beaucoup.